Aujourd'hui, de partout, on parle du bien-être animal, du bien-être humain. Et pour moi, il y a un lien qui est indissociable avec ce thème, c'est les programmes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de bien-être animal sans parler de programmes, et notamment pour les jeunes chevaux, les 2 ans et les 3 ans. Quand tu as un bon cheval, jeune cheval, qu'il performe immédiatement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le monter à Paris. Donc, quand tu vas donner 1 000 km de Pau, de La Teste, de Mont-de-Marsan ou de Marseille, tu vas lui donner 1 000 km aller, 1 000 km retour, parce qu'il n'aura pas d'autre solution pour lui que d'aller courir à Paris. Aujourd'hui, il faut recentrer les programmes sur des grands pôles provinciaux pour qu'à Paris, on ne retrouve que l'élite et que chaque propriétaire. Qu'est-ce que demande un propriétaire? Il demande à rêver. Et pour rêver, il faut qu'il voie courir son cheval. Et pour qu'il voie courir son cheval, il faut de la proximité. Dans le sud-ouest, on a mis en place une convivialité. Pourquoi? Parce que on se retrouve tous sur les hippodromes. On fait la fête ensemble. On est toujours heureux parce qu'il y en a un qui gagne. Et quand il y en a un qui perd, c'est son copain qui gagne. Et donc, on a mis une ambiance qui est vraiment extrêmement festive. Et en plus, on a chacun l'occasion de ramener de nouveaux propriétaires parce qu'on fait partager cette joie de vivre sur les hippodromes. Et je pense que l'image qu'on a donnée dans le sud-ouest, où depuis 4 ans, on a énormément développé le nombre de nos adhérents, c'est justement parce qu'en développant le nombre des adhérents, on a pu engendrer des nouveaux propriétaires et faire qu'ensemble, on puisse rêver. On doit rêver. Pour rêver, il faut voir courir. Pour voir courir, il faut des programmes qui nous amènent les chevaux sur les sites qui nous entourent.